À 1h30 de Halifax, sur cette baie, se trouve la petite ville de Lunenburg. Grâce aux nombreuses forêts, toutes les maisons sont construites en bois et peintes de couleurs vives. Belle architecture coloniale. Ces chaises d'extérieur, Adirondacks, sont installées de partout. Allons nous promener sur le port. De la jetée, nous sommes en première ligne pour soutenir les rameurs. Amarré à la jetée se trouve le voilier Blue Nose 2, réplique du Blue Nose. Nous pouvons admirer l'entretien extrême de ce navire. Impressionnant la taille de ce mât. Après Lunenburg, nous suivons la côte et arrivons à Blue Rocks, où de ravissantes maisons sont construites face à la mer. Toujours en bois et de différents styles. À l'intérieur, confortable et moderne. Impressionnant la géologie de ces rochers. À marée basse, on découvre ces belles algues. Nombreuses les baraques de pêcheurs. Je profite de ce lever de soleil pour saisir ce moment plein de couleurs chaudes. Sur cet îlot, cette cabane de pêcheurs isolée est la preuve d'une longue tradition, mais qui perdure. À vélo, nous empruntons ce ferry pour passer de l'autre côté de la baie. Plus loin, la nature reprend ses droits au bord de cette plage. Ici, ce pêcheur prépare ses casiers à langoustes pour le début octobre de la saison autorisée. Cette région a bien gardé son authenticité et a su résister à la pression immobilière.